Si certains couples postent des clichés de leurs vacances estivales en amoureux sur la plage, convenablement habillés avec d'élégants maillots de bain, il arrive à Nader aussi et son fiancé Giovanni semblent être de leur côté plus adeptes de nature et ont même osé le nudisme sur une plage de France. Nus comme des vers, les parents de Milo, nés en juillet 2021, pose ainsi debout sur le sable chaud avec pour seul accessoire un drap blanc disposé sous leurs pieds. Là, vous pouvez le dire. Nous sommes nus, écrit l'ancienne candidate des princes et des princesses de l'amour, enceinte de son deuxième enfant, en légende. Visiblement ravi de ce cliché, celui qu'on surnomme Gioboy ajoute, attention on a osé. Vous êtes pour ou contre? Du grand n'importe quoi choqué par la tournure que prend leur compte Instagram respectif, certains internautes n'ont pas hésité à faire part de leur agacement face à cette publication. Aussi est-il quoi l'intérêt de poster ce genre de photos, plus ridicule que ça je pense pas, si est-il trop intime à mon goût. Et la photo rend froide, du grand n'importe quoi, je suis contre. Je trouve ça un peu vulgaire. Mettre votre corps à des millions d'abonnés je trouve pas ça terrible. Après si est-il votre corps, juste un avis simple je trouve ça assez intime pour être exposé surtout quand on est parent, si est-il très gênant. Peut-on ainsi lire sur Instagram? S'il n'a pas précisé s'il avait réalisé cette photographie sur une plage où les naturistes sont acceptés, le couple a finalement décidé de supprimer cette audacieuse publication. Pourquoi j'ai posté cette photo? Parce que, depuis 2-3 semaines, je reçois des messages comme quoi je suis toujours à poil. Je me suis dit pourquoi ne pas poster une vraie photo à poil? Comparant son cliché à un nu artistique, elle a choisi d'archiver cette publication ajoutant que cette bonne blague était drôle 24 heures. Pas au-delà, visiblement.